mal à joindre le service résolution des problèmes de la Poste Mobile. Et là, il y a un conseiller qui est très bienveillant et nous essayons d'avancer sur le cas de notre amie Véronique. Donc, nous sommes en pleine discussion et ce monsieur est en ligne. Si vous voulez lui parler, le temps que vous prenez un peu le passé, vous serez plus à mon avis. De trouver un interlocuteur pour savoir s'il y a des alertes quand tout d'un coup quelqu'un a une facture qui explose, notamment pour de la voyance. Est-ce que dans ces cas-là on essaie de tout de suite lui dire qu'est-ce qui se passe? Alors justement, dans ce cas précis, normalement quand il y a un dépassement, à un moment donné, le service de recouvrement justement prend la décision de suspendre la ligne à une certaine somme. Ça peut aller entre 150 et 200 euros. Là c'est vrai qu'en effet la somme est passée bien au-dessus. Elle est de combien exactement? J'ai l'auditrice en ligne. Hein. La facture, dans sa totalité, normalement, le montant de la facture est de 4 047,90 €. Alors qu'elle payait combien avant? Ah, c'est pas cette somme-là, c'est bien.